Okay. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit troisième étage, le Saint-Denis est parti en voyage. Marie-Hélène n'a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps. Fumer son pote, écouter sa musique, Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps tout le temps. En mobilette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Mais par hasard, dans un mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle le sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle le sait encore moins. En attendant, il y a eu 3 mois d'ouvrage, 6 mois d'études, puis l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps tout le temps. Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis, puis sa 5e saison. Et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà de l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans. Et c'est si loin qu'elle ne sait plus par cœur. Et c'est pour ça, pour ça qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps tout le temps.